Jesus moves his mom to the train. And we'll start here with that concept next week. That's all the time we have for today's study. We hope that you've gained some new insight from this lesson and that you'll be back for the next session. If you'd like to hear any of the previous Into the Word programs, they can be found on the web at intotheword.net. Thomas is the preaching minister for the Elkhart East Christian Church, located in northern Elkhart County, Indiana, a part of the great American Midwest. If you have any questions and or comments for Thomas, please email him at thomasjshort@comcast.net. Or you may write to him at Into the Word, 21851 County Road 4, Bristol, Indiana, 46507. Until next time, may God bless you as you daily get into the Word. WHRI is now ending its broadcast at 12,015 kilohertz. Our next broadcast will be at 9,825 kilohertz. Thank you for listening to World Harvest Radio International. At 9,825 kilohertz. L'eau de la vie. Vous êtes à l'écoute du programme radiophonique L'eau de la vie, une émission de Waters of Life de Stuttgart en Allemagne, présentée par Abdoulaye Tango. Que la parole de Dieu vous éclaire et vous donne la vie. Tel que nous l'avons promis à notre rendez-vous dernier, nous allons répondre à cette question. Un riche peut-il entrer au ciel? Ou plutôt, regardez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, ce que nous en dit le texte évangélique. À partir du verset 23, nous lisons ceci. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Nous lisons également, toujours dans Matthieu, Pierre prenant alors la parole lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus a répondu, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers les premiers. Voilà donc pour la lecture de la parole aujourd'hui. Allons dans les instants qui suivent vous en faire le commentaire. Ça y est, Étienne, assure la prise de son. Votre ami des hommes, c'est un plaisir de vous accompagner.
exactement la